Ok, bonjour à tous. De nouvelles choses hier, j'ai fait le night drive. Donc on est parti de 20h à 22h. On n'a pas vu de lion ni de léopard, enfin on n'a pas vu de gros félins. Mais c'était super intéressant, on a vu des hiboux. Moi c'est la première fois de ma vie que je voyais des hiboux. Lequel on a vu, je crois qu'on a vu le petit là. Peut-être celui-là aussi, un des deux je crois. Et on a vu celui-là, le deuxième plus gros, celui-là là. On l'a vu chasser et tout, c'était trop bien. Et on a vu quand même des trucs rares, hein, je pense. On a vu le chat sauvage d'Afrique. Et on a vu la genette. On a vu celle-là, nous, je crois. Je suis quasiment sûr que nous, c'était celle-là. Dans un arbre et tout, c'était super joli à voir. Les images sont pas terribles. On a vu une hyène et un chacal aussi. Les images sont pas terribles parce que bah, forcément, avec les lumières et tout, la nuit, l'iPhone, il a du mal. Mais c'était super. Et là, ce matin... On partait pour le morning walk, donc la marche dans le bush du matin. On partait à 5h. Et les guides avaient eu l'info qu'il y avait des lions dans le coin et tout. On a été voir. On a eu deux lions mâles. Deux lions mâles qui étaient le long de la route, en fait. Tout tranquille à côté de notre voiture. Pendant 25 minutes, on les a accompagnés. Et après, ils se sont mis à, comme c'était la fin du territoire, ils se sont mis à rugir. Pour dire qu'ils étaient là aux gens autour, quoi. Enfin pas nous mais aux animaux autour quoi. C'était génial quoi. Je vous avais dit, bon c'est un petit jour de retard, mais je vous avais dit qu'on allait voir des lions. Donc ça c'était génial, on les a entendus rugir et tout, en plus c'était super. Et après ça, on continuait un peu et sur la route il y a 7 lionnes qui dorment. Pareil, elles commençaient à se lever et tout.
Elles sont, oh, c'était magnifique. Elles se sont posées sur les branches à côté. Pareil, les photos, j'ai pas. Franchement, ça aurait été en plein jour. J'aurais fait des photos exceptionnelles. Là, c'était pas trop possible dans le sens où la lumière était moins bonne, mais j'ai quand même des belles photos. Et voilà. Donc là, j'ai eu mon quota de lion pour la journée. Et en revenant, on a revu un lion. Et en plus, c'est un albino, c'est un lion blanc comme ça. Pareil, magnifique. Donc là, je suis tellement content. Donc on a marché. C'est savoir que quand on fait les marches, on voit pas les lions, les léopards ou les rhinocéros ou des trucs comme ça parce que forcément ils nous voient largement avant qu'on les voit et ils ont peur. Clairement, c'est eux qui ont peur. C'est pas l'inverse. Hein. Donc on a vu quelques gnous partir assez vite. On a vu un éléphant quand même. Et puis on a appris plein de trucs sur les traces, sur les. Enfin bref, c'était super de marcher dans la savane et tout comme ça. Et là, ça y est, je pars aujourd'hui ma petite expédition. Hier, le léopard de Olifant, là, que je vous avais parlé, il est encore revenu. Donc aujourd'hui, je vais y aller en début d'après-midi. Je vais essayer de voir une ou deux heures. Je vais me poster là-bas. Essayer de le voir traverser la rivière. Ça doit être incroyable. Ça fait deux jours d'affilée qu'il le fait. Je me dis qu'il va peut-être le faire aujourd'hui. Et de toute façon, ma journée, elle est déjà amplement réussie. Et puis là, je vais essayer d'aller choper deux, trois félins avant. Voilà, on se tient au courant, les amis. Crocodile juste derrière. Ah, finalement il reste droit. Et juste là, mes premiers marabouts. Un vrai marabout d'Afrique classic shit, j'ai envie de dire. Alors, il y a une proie de léopard juste là dans l'arbre. C'est un impala qui est bien entamé. Mais du coup, j'étais chaud à rester vraiment toute l'après-midi. Hein. Vraiment toute l'après-midi. Regarder là pour voir s'il revient. Le truc, c'est que ça a l'air vraiment d'être la fin de la fin pour l'impala. Et je me demande s'il ne reviendra pas. Parce qu'il a l'air de. Il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose à manger dessus. Quoi. Donc, je suis en hésitation. En fait, je crois qu'il y en a trois. C'est un jour où j'ai vu quatre des cinq animaux du Big Five. Il me manque que le rhinocéros que j'ai vu avant d'être dans le parc, sur la route, rappelez-vous, mais que j'ai toujours pas vu dans le parc, que je vais sûrement voir dans mon prochain camp. Mm-hmm.
Allez, direction Pretorius Kop. C'est vraiment tout au sud-est, donc il faut vraiment que je roule beaucoup aujourd'hui. Donc je suis parti, j'ai pris un peu plus mon temps aujourd'hui. Là, bon, façon de parler, il est 6h45, je suis parti vers 35 à peu près. Voilà, j'ai pris une petite douche, je me suis mis bien, j'avais mis un réveil un peu plus tard, donc à 6h, parce que normalement je le mets plutôt pour partir à 6h et visiter. Là aujourd'hui, voilà, j'avais besoin de récupérer un petit peu plus. Hier soir, donc je suis parti en Sunset Drive et c'était, on a revu des, une lionne du coup et un lion, le même lion qu'on a vu le matin, je pense, le blanc là, qu'on avait vu à la fin. Elle a encore rugi, c'était posé. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis plus touché esthétiquement, on va dire, par les léopards et les guépards. J'aime bien le camouflage et tout. Mais les lions, déjà c'est magnifique aussi, puis la puissance que ça dégage, c'est vraiment, c'est ça, c'est puissant quoi, les muscles et tout, enfin, donc c'était vraiment génial. Après malheureusement on n'a pas vu grand chose, on a revu une mangouste à queue noire, à queue blanche comme en Game Drive la nuit, mais voilà, mais en tout cas voilà, dès que tu vois un félin, enfin moi ça me... J'oublie tout ce qu'il y a autour et juste kiffe quoi, je suis fasciné par ça, c'est trop bien. Et donc là voilà, ce matin on part en espérant voir des trucs, là il y a des voitures arrêtées, on va voir ce qui se passe et puis voilà hein. Je vous tiendrai au courant les amis. Et puis les lumières là, c'est avec l'iPhone, c'est là que je vois les limites hein. De près je peux faire de très belles images et tout, mais là il y a des trucs, les gens ont des vrais appareils et ça fait des montres des fois. Là le soleil, tu peux faire la photo avec, tu sais, le soleil, l'énorme soleil un peu rouge que tu prends dans un arbre, là, enfin à travers un arbre, moi ça rend quand même moins bien que si c'était un vrai appareil, les animaux pareil, mais bon moi j'y vais pas pour les photos donc c'est pas grave, mais il y a des très très belles photos à faire vu les lumières magnifiques, enfin la nuit, le ciel étoilé tous les soirs, enfin c'est vraiment magnifique. Ah, je suis content, c'est pas la saison, mais il y a quand même un serpent. Une vipère, je pense. Franchement, là, je suis en train de conduire assez longtemps. Au final, j'aurais largement pu rester dans les coins de Satara encore un peu. Je pensais que ça allait être plus long de descendre à Pretorius Kop. Là, je suis à une bonne heure de là-bas, mais bon au moins je pourrais faire toute la journée là-bas et c'est cool aussi. Et du coup je conduis, il n'y a pas beaucoup d'amis donc je réfléchis, je pense à mon voyage, à tout ça, à où je suis, la chance que j'ai, etc. Et enfin vraiment il faut se rendre compte que on a la chance d'être français pour voyager hein, que on peut aller partout sans visa. Là la douane sud-africaine, je l'ai passée mais limite j'avais pas de passeport, c'était pareil quoi, ça a pris une seconde et demie. On n'a pas besoin de visa, on a des salaires et une monnaie européenne, donc on quasiment partout où on voyage c'est pas cher, et au pire c'est les mêmes prix. Enfin je veux dire aux États-Unis c'est un peu plus cher, mais globalement c'est soit le même prix soit moins cher la vie, donc voilà, vraiment voyager quoi. Et je pense que faire un safari, ça peut laisser personne indifférent. C'est-à-dire que ici, la particularité... Désolé, moi, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais venir faire un safari, je pense que même si tu t'en fous des animaux ou quoi, t'es obligé de kiffer. Pas autant de temps que moi, peut-être pas une semaine à faire du parc et à rien voir pendant 2 heures des fois par moment, mais faire une ou deux journées, t'es obligé de kiffer. C'est tellement unique comme activité, comme truc, que je vous invite tous à faire ça une fois dans votre vie, c'est vraiment génial. Même les gens qui ont des enfants, tu vois une girafe, tu vois un éléphant, c'est tellement majestueux, tellement... Il n'y a même pas de mots, franchement, c'est juste génial. Et quand tu as la chance aussi de voir les félins, c'est juste... Je sais pas, moi ça me parle tellement et je pense que ça peut pas ne pas parler. Voilà. Donc faites-le voyager
et profiter de la chance qu'on a d'être français, parce que vraiment c'est une chance. Mâles là qui me regardent bien en mode qu'est-ce que tu vas faire, qui protège le troupeau, et après tu as tous les autres qui sont en train de traverser, mais ils prennent vraiment leur temps là. Il y en a un énorme là qui vient de sortir juste à gauche. 800 kg de muscles et de cornes là. Ça, c'est l'hippotrague noir, c'est une des antilopes les plus rares qu'on peut voir ici. Et dans Praetorioscope, c'est plus facile de les voir. De la encore du sunset drive. C'était exceptionnel. On n'a rien vu pendant longtemps et j'avais hésité parce qu'honnêtement on n'est pas dans le camp où il y a le plus de félins ou quoi, parce que c'est des grands arbres et tout, c'est pas propice on va dire à la chasse. Donc à part des léopards, j'attendais pas grand chose, et les léopards bah, c'est dur à voir. Et là on voit rien pendant 2 heures, et là léopard, un léopard,
Moi, je suis déjà. Je mets un peu le flash là pour voir où je vais parce qu'il fait nuit. Je me dis, oh putain, c'est génial. J'étais déjà refait de chez refait. Deuxième léopard. Là, je me dis, oh, génial, quelle chance, machin. Et là, on arrive, un énorme lion qui se balade à côté de nous. Oh, le kiff, franchement, c'est génial. Ça allait être mon premier jour sans voir de félin et au final, j'en vois trois. Magnifique, enfin, c'est génial. Aujourd'hui, objectif non, mais j'aimerais bien Rhino, que j'ai toujours pas vu, et Licaon, qui sont rares à voir, mais c'est un peu des. Je sais pas si c'est vraiment la famille des loups, mais c'est un peu des loups, des chiens sauvages, enfin bref, ce que vous voulez, mais cette famille-là, c'est des canidés qui vivent en gros groupes et tout, et il n'y en a pas beaucoup dans le parc, donc c'est assez difficile à voir, mais c'est un peu la zone là où on peut les voir. Donc objectif du jour, Rhino et Licaon, et puis bah on verra ce que la nature nous offre aujourd'hui. Tout ça là-bas, c'est des crocos. Il y en a au moins 15 avec ceux qui sont à gauche là, infestés de crocos. Et il y en a partout à côté des hippos, il y en a au fond là-bas. Là, c'est vraiment infesté de crocos. Là. Et là, c'est un croco qui nage paisiblement vers les hippopotames qui sont tout aussi plaisibles. Waouh, j'arrive plus à parler. Qui sont tout aussi paisibles. C'est vraiment la meilleure vie. Hein. Ils sortent de l'eau pour bronzer, sinon ils font que manger et se reposer. Ils n'ont pas de prédateurs, vraiment c'est tranquille. Il fait le double de la voiture. Il a des défenses immenses. C'est vraiment incroyable. Et donc j'ai appris, quand on a été marcher la dernière fois, quand on a regardé les traces, tout ça, que les jambes avant, enfin les pieds avant et les jambes avant sont plus grosses parce qu'elles soutiennent beaucoup plus de poids. Que les jambes arrière, en fait, c'est juste un soutien en plus, mais les pattes sont plus petites et les pieds sont plus petits que les pieds avant. Franchement, c'est un des plus gros que j'ai vu. Hein. En termes de défense et de taille, il est vraiment gigantesque. L'autre, il est déjà beaucoup plus abordable, on va dire. C'est
Massif là, celui-là il est bien fat, je peux vous le dire, ça se voit moins à la caméra mais il est vraiment gros. Ça, alors vous avez le petit modèle juste devant et derrière vous avez le gros modèle qui vraiment est assez effrayant s'il y a ça dans l'eau quand tu te baignes quoi. C'est vraiment le paradis pour les martins pêcheurs, il y en a partout, j'en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils pêchent même pas, hein. Ils prennent des gros vers de terre, tout ça, j'ai déjà vu 2-3 fois des chasses. C'est très dur de les filmer en vol, mais c'est magnifique en vol, parce qu'en vol, ils ont un espèce de bleu brillant comme ça, c'est vraiment, c'est magnifique. Regardez ça, un caméléon, je pensais vraiment pas en voir et j'y pensais tout à l'heure, je me dis putain mais ce serait cool que quand je suis le temps que je suis en Afrique j'en vois parce que c'est rare à voir, regardez comment il se déplace, c'est trop bizarre. Et je pensais pas du tout en voir ici, je pensais plus en voir plus dans des forêts et au final bah voilà, je l'ai vu traverser, il va vraiment pas vite du tout. Hein. J'ai son œil, il me regarde là. Vous voyez son œil, le petit point noir en haut là qui bouge? Ah, c'est trop stylé. Hello. Dans ce camp, il y a des animaux. Hein. J'ai vu Là, j'ai vu du coup un bushbuck sous la caravane des voisins. Là, il y a des singes, il y a des phacochères aussi. Thank you.
c'est un hibou. Et on voit la queue de la jeunette qui pendouille. Et il l'a bouffé, quoi. Un énorme hibou. C'est le gros, c'est encore plus gros que le grand duc d'Afrique. C'est absolument... Aux jumelles, là, ça se voit pas bien, mais aux jumelles, c'est génial. Lui c'est un gros. Je pense que c'est le plus gros que j'ai vu. Vraiment, il est magnifique. Il s'est posé juste là, il est absolument magnifique, il est gros en plus, il est vraiment gros celui-là. Il s'est posé juste là, il est magnifique. Oh là là là. Là, il y a des buffles et si vous voyez bien au fond, il y a la tête du lion mâle qui est là et il y a toute la famille qui est là-bas. Bon, c'est, la mise au point est pas terrible, mais qui est là-bas. Est-ce qu'ils vont chasser? Pendant que je suis en train d'observer les lions, il faut quand même que je vous parle d'hier soir et de ce matin. Hier soir, c'était ma dernière activité du soir. On a vu un guépard, c'était génial. On l'a vu longtemps, tout ça, on était tout seul, c'était génial. Ce matin du coup on part, dernier game drive, donc on voit rien, franchement on voit rien, et on arrive vers la fin, on voit beaucoup de voitures et là une famille de lions avec tous les bébés, le mâle qui arrive après. Donc au début on voit que les femelles et un jeune mâle, et là il y a le père qui arrive, en fait il chasse le fils et le fils il s'en va en courant, le père il lui court, enfin c'était génial de la scène quoi. Tous les petits bébés, alors il y avait des bébés un peu plus gros et des tout petits, vraiment des tout petits. Et là je les vois encore du coup, mais ils sont un peu cachés dans les airs, c'est pas filmable. Le mâle les a rejoints et voilà, c'est le rêve. Là j'ai vu un gros léopard, enfin ce dernier jour il est génial. Les bébés lions, j'avais pas encore vu, c'est vraiment exceptionnel.
revoir au parc. Je sais pas si vous les voyez, on voit bouger un peu là-bas. C'est les lions de ce matin. Voilà, au revoir au parc Kruger avec le soleil, les lions. Oh bah voilà, ils bougent. Et puis les... Oh, c'est magnifique, ils se lèvent quand je filme. C'était absolument fabuleux ces 8 jours ici, c'était fabuleux. Ils s'en vont en plus, c'est tout un symbole, tiens. Et moi, je m'en vais vers de nouveaux horizons. Voilà, la page ici se tourne. J'arrête de vous saouler avec les images de safari pour quelques temps parce que bientôt je reprends. Mais pour le moment, voilà, vous êtes tranquilles.